Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Zaïkonique. Bon, je parle plus vite que Claudie, désolée. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités, donc Raiden, un jeune chanteur, ainsi que Kevin Wooster, Edge Evasion. Salut mademoiselle. Salut. Tu as passé un bon week-end? Très très bon week-end. J'ai pu comprendre que c'était ton anniversaire, tu as 38 ans, c'est ça? Oui, 38 ans, ça s'est bien passé. Tu as fait quoi? Mes copines sont passées à la maison, on a bu du jus. Évidemment, puisque tu ne bois pas d'alcool, là, donc j'étais présente, elle nous a reçus avec du champagne, il fallait aussi attendre. Hein. C'est ça, elles n'avaient qu'à ramener leur champagne. Et les cadeaux? Oui, t'as j'ai beaucoup gâtée? De cadeaux, c'était sympa, j'étais contente. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu as un remerciement à faire à quelqu'un en particulier? À tout le monde, mes copines, toutes celles qui étaient présentes. Et puis voilà, c'est tout. Mm-hmm. Je suis timide. Vachement. Mais en tout cas, bon anniversaire de la part de Zouk TV et de Zaïkonique. Et puis on aura le temps de fêter encore. Ah non, encore, moi je ne fête pas à l'infini. Tu vois, on fête ce jour et c'est fini. On sera 38 ans, c'est bon. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée du bonheur, la journée mondiale du bonheur. Donc. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu passer une journée remplie de bonheur et puis beaucoup d'épanouissement. Non, c'est pas ça? Ah, ma journée, c'était vendredi alors. Hein. Je suis nulle. Donc avant qu'on parle de Raiden, je veux bien qu'on découvre son dernier clip.
Bonsoir Anouza, yo Anouza, yo Zen, désolé du petit retard, chocolat, fuit la place de présentatrice. Oui, oui, pas, je laisse ça pour toi. Donc voilà, bon, aujourd'hui on reçoit deux artistes, Edge Evasion pour la partie bon plan parce que c'est la période, il fait chaud, c'est l'armée, je suis la va nous parler de son activité. Sinon, on va s'intéresser dans un premier temps avec Raiden. Donc Raiden, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas là. Mais Raiden, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben Raiden, auteur, compositeur, producteur. J'ai produit dernièrement mon premier album, solo, Son of God. C'est un album qui était assez intimiste, donc qui a quelques consonances spirituelles et surtout de conscientisation, parce que mon fer de lance, c'est la conscientisation. Donc voilà, okay, je faisais partie d'un milieu plutôt dansant. Je chantais surtout en soirée, dans le temps. Et puis à un moment, j'ai donné une tournure à ma carrière et maintenant, je suis axé uniquement vers la conscientisation. Dans ton temps, excuse-moi. C'est en t'entendant de parler, on nous dit que tu as déjà 40 ans dépassé. Hein? J'ai pratiquement 18 ans de carrière. Quand même. Tu as commencé à l'âge de 13 ans. Ok. Et pourquoi ce virement 360 degrés, on sort de, on va dire, entre guillemets, la chatatisation à la musique spirituelle? Ben, simplement parce que, en fait, je ne fais pas uniquement de la musique spirituelle, mais le truc, c'est que ma musique, l'artiste et l'homme se retrouvent dans un même corps et justement sont en accord l'un et l'autre. Donc, ma musique est à l'image de ma vie. Et à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de stabilité, de changement. Et ma musique, du coup, ça s'est ressenti dans ma musique, dans mes écrits. Et est-ce que tu n'as pas peur de porter ceux qui te suivaient, ceux qui connaissent le Raiden du début et le Raiden d'aujourd'hui qu'on découvre avec ce titre-là? Ben pour moi, le plus important, c'était de rester fidèle à moi-même et d'être épanoui dans ma musique, parce que la musique, avant tout, ça peut avoir l'air égoïste, mais je la fais pour moi. Donc c'est vrai qu'un public qui te suit... et qui, pour moi, un public qui te suit et qui voit un artiste épanoui, c'est le plus important. C'est-à-dire que si tu fréquentes quelqu'un et que la personne fait un changement et que tu la vois bien dans ce changement-là, forcément, tu vas valider, parce que l'essence, le noyau dur, il reste le même. Non, mais tu peux valider, mais tu n'es pas obligé d'apprécier. Oui, mais si les gens n'apprécient pas, eh bien, ils écoutent autre chose. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à... Il y a bien quelque chose qui s'est passé dans ta vie pour que peut-être que certains appellent ça la maturité ou... Ou la religion? Pas forcément, j'ai toujours eu cette implication-là, j'ai toujours fonctionné sur les deux tableaux. Donc okay. Les gens, le public, voilà, le public m'a validé plus dans un côté dansant, en soirée, par rapport à un titre que j'ai fait qui m'a fait partir en tournée sur la métropole. Et même Raiden, à la base, ça a toujours été le côté conscient et le côté dansant. Donc j'ai juste fait mon choix. Ok. Charlène, une question? Je vois Charlène, le regard. Quoi, tu as faim, Charlène? Je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé, merci. C'est quoi, la musique t'a manqué? J'ai suivi que t'as bien écouté les paroles quand oui, on regardait oui, le clip. Oui, j'écoute les paroles. Donc, la chanson parlait de quoi? La chanson parlait de spiritualité. Ah, c'est pour ça qu'on dit que... Où finit le musique? Mais oui, elle veut que son âme soit sauvée, etc. Attends, j'avais une question, mais elle s'est envolée. Attends, revenir. Non, mais. C'est vrai, c'est ton merde alors, quand tu m'as interrompu. Voilà, mais sinon, parle un petit peu de ce titre-là, de spiritualité. Est-ce que c'est toi qui écris les paroles de tes textes? Oui, j'écris mes textes, je compose mes instrumentaux avec DJ Charlan, qui est mon ingénieur son aussi. Et c'est mon ingénieur son au studio et sur scène, parce que j'ai un groupe live qui s'appelle Red Natty Sound. En plus. Avec lequel je me produis régulièrement sur scène. Ok, mis à part, combien de temps ça t'a pris pour écrire cet album? L'album, il s'est écrit très vite, parce que c'est vraiment titre par titre, c'est vraiment au feeling. Je ne me suis pas dit que je vais faire un album. J'ai fait des titres, ils ont commencé à s'enchaîner et à avoir un sens et un rapport entre eux. Et je me suis dit, bon ben, pourquoi pas balancer un album pour la première fois. Après tout ça, ça fait des années que je chante. J'ai eu le temps de faire l'avant-première de Booba, de Young Chung MC, de faire des tournées en métropole. Young Chung MC en Martinique. Ah, dans ma tête, Young Chung MC, moi, là. Quand il était tout jeune. Voilà. Donc, je me suis dit que j'ai fait j'ai participé à des compilations avec Dominique Lorté, Jean-Luc Guanel sur le Caraïbes Zouk Folies volume 4. Mm-hmm. Mais personnellement, j'avais rien fait de concret. Je me suis dit que si un jour j'ai fait une rétrospective de ma carrière, j'aimerais bien avoir du concret. Donc, je suis parti sur ce projet d'album que j'ai réalisé en autoproduction. Mais pourquoi en autoproduction? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé de producteur ou c'était intentionnel? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, franchement. Au niveau des featuring, est-ce qu'on va retrouver des collaborations sur cet album? Oui. Comme qui, par exemple? On trouve Ivy Jalta, Mali, le Père Lusné également. Il y a une collaboration avec moi. Et aussi Marino, qui est une révélation.
que j'ai connu grâce à une prestation en live et que j'ai trouvé sa voix tellement magnifique, je vais lui proposer de faire un titre avec moi. Et voilà. Et est-ce que tu penses que les musiques spirituelles, ça va marcher au niveau des jeunes? Il y a des jeunes qui écoutent de tout, hein. Mais est-ce que, par exemple, tu penses que tu vas réussir à attirer ton public de base, de départ? Ben, en fait, moi, je ne me catalogue pas comme quelqu'un qui chante de la musique spirituelle. J'en fais, ça fait partie de ma musique, ça fait partie de mon univers, mais ce n'est pas axé que sur ça. Alors souvent, les gens s'arrêtent à ça, sachant que sur mon album, par exemple, il n'y a pas que de la musique spirituelle. C'est vraiment de l'amour que je distille. Et même dans le titre Batailler, je m'adresse à tout le monde, à toutes les religions. Je ne m'arrête pas à une religion, que tu sois bouddhiste, rasta, quel que soit. Dès que tu as du love, de la positivité, c'est surtout la promotion de la positivité que je fais. Mais la spiritualité n'a pas d'étiquette? Justement, mais en fait, souvent, les gens, par exemple, ça m'est arrivé souvent de me retrouver sur des plateaux où les gens axent ça et me disent le fait de faire de la musique entre parenthèses spirituelle, est-ce que tu n'as pas peur que ça te fasse perdre un public, perdre des ventes ou des choses comme ça, ou même chanter gratuitement dans certains événements, parce que je suis professionnalisé dans ma musique, est-ce que ça ne te porte pas préjudice? Mais je dis que tant que je fais, dès que je suis en accord avec ce que je fais, ça me va. J'ai fait cet album pas dans le but de vendre, mais vraiment de faire quelque chose, arriver à un style de musicalité, atteindre un niveau de musicalité assez correct. J'ai travaillé avec mes musiciens en studio. C'est vraiment de l'amour qui a créé cet album-là. Ça n'avait rien de business. Et maintenant, après la réalisation de l'album, je suis obligé justement de me lancer quelque part dans le business, dans la promotion, dans les choses. Et si ça prend, tant mieux. Et si ça ne prend pas, j'ai quand même quelque chose de réalisé dont je suis fier. On a un appel. Ah, eh bien. Zaychronique, bonsoir. D'accord. Zaychronique, bonsoir. Ok, au revoir. J'ai fait fuir la personne. T'as vu ça? Non. Comment? C'est pas grave. Mais attends, mais Claudie, je te vois très intéressée. Tu écoutes ce genre de musique? Ben, ça dépend. Ça dépend. Il faut que la musique me parle. J'écoute tout type de musique. Il faut que, par exemple, le rythme. Il faut que ça accroche dès le départ. Par exemple, je voulais te poser la question. Tu as peut-être connu Blade, qui maintenant qui fait du scrap culture, on n'a pas, et j'adore, puisque c'est un nouveau style entre guillemets pour moi et je pense pour nous, parce que ça n'existait pas trop. Je ne connais pas d'autres jeunes qui font du scrap culture. Donc voilà, et là, il fait de la spiritualité dansant. Et as-tu déjà dansé, par exemple, sur un zouk spirituel? Non, parce que l'occasion, ce n'est pas encore présenté. Mais si, par exemple, ça danse, oh, regarde, c'est un petit peu afro-trap, sa musique. Mais si on passe en soirée et que je n'ai même pas tilté sur les paroles, je pense que je c'est les danser. Paroles, en fait, que quand... Par exemple, bon, c'est... j'ai pas envie de dire des chiffres quand je vas-y, exprime-toi. Vas-y, t'exprimer, hein, c'est important. Comme si tu as l'habitude de faire son chata, tu sais, ok, tu danses, c'est des paroles jamaïcaines, et on met dessus ces paroles à lui. Si tu prends la peine d'écouter, mais tu ne veux plus danser, tu sais, ça va pas ensemble, tu vois. Je peux comprendre, mais après, chacun a sa façon de s'amuser, je ne sais pas. Regarde. Personnellement, je ne pourrais pas. Regarde, ouais, c'est vrai. Attends, on va prendre la peine. Hein. Zaychronique, bonsoir. Zaychronique, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, tu oui, on t'écoute. Oui, d'accord, c'est Claude. Tu t'appelles comment? Claude. Claude. Ah, ben, oui. Ben Claude, oui, bonsoir. Oui. Tu nous appelles d'où? J'appelle Palmite au Lamantin. Ok, d'accord. Ben, on vous écoute, Claude. Oui, c'est pour te féliciter, toi et toutes tes compagnies, on peut dire ça comme ça. Oui. Oui. Pour l'émission, quoi. Charlie et Chocolat. Oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas qu'il soit ému concernant la solidarité qu'il a pris en cause là. C'est une bonne chose. Hein. Voilà, je te remercie. Ok. Merci. Ok, d'accord. Mais on te remercie de ton appel. Et n'hésitez pas à faire comme Claude et à nous appeler. Et n'hésitez pas à appeler si vous voulez gagner un ticket ou deux pour aller faire votre côté chata à la Vibes qui sera le 29. Mars, c'est ça? Je ne me suis pas trompée? Oui, à la Vibes, appelez au 0596-71-27-07. Donc voilà, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec Raiden. Bon, c'est pas un clip. Malade, my friend. Même si moi n'y a l'esprit critique, paye-moi malade, my friend. Moi choisis en version acoustique. Passe à moi, car ouais, la télé, car elle moins mystique.
moi c'est musique, pays moi malade. Trop jalousie et trop vice, trop conclusion ou t'es facile Gigi quand tu n'es trop. Et fréquente tes chiens ou trapper pis. Souvent procureur là ou descente les cités trapper pis. Money, respect, femme, chabine et bonnie. Mais je dis où on fait trou à tout ça pour un paquet de conneries. Pour combler des yeux de nous qu'on fait folie. Mais la vie qui plierait demain si je dis ou pas molly. Moi vini bas autant de ce musique. Pays moi malade, malade my friend. Même si moi n'y a l'esprit critique. Pays moi malade, malade my friend. Moi choisis en version acoustique. Passe à moi quand ouais la télé caronne moi mystique. Yo, plus belle remake pour moi c'est musique. Pays moi malade. Moi j'allais yo. C'est dans mon Dieu moi qu'à travail. L'honneur, le vrai spécial, y'a un éventail. Péripétie, la vie a fait que plusieurs fois, maman Jedi. Mais force à que moi, pas jamais fait stand-by. Forcément, pas tout seul, et moi, ni en larme. Les love capo, pas j'ai eu tout à qu'à désarmer. Qu'on voit l'alcool, l'homme ou qu'à bonifier, puis l'année. Poser genoux à tel, ou bien qu'on l'air qu'à flancher. Moi, vini, bas autant de ce musique. Pays, moi, malade, malade, my friend. Même si moi n'y a l'esprit critique. Pays moi malade, malade my friend. Moi choisis en version acoustique. Passe à moi quand ouais la télé caronne moi mystique. Yo, plus belle remède pour moi c'est musique. Pays moi malade. Pas ça trop facile. Jiji y'a moun sans connaître histoire. Ou pas qu'à construire pourtant toujours qu'à distraire. Dit trop moun qu'à ouvert vieux livre. Mais yo passif c'est pas bon chimé à yo suivre. Qui ou grâce à mon Dieu ou qui sourit massif. Riding come from big money, yeah. Pas qu'à prétendre comme un meilleur qui personne. Mais ça m'a qu'à ouais si frère moi c'est moi qu'à entretuit koyo. Ou des bagailles futiles. Donc voilà, c'était le clip de Raiden, pays moins. Raiden, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre-là qui parle de ton pays? Parle-nous un petit peu de ça. Ben, en fait, j'ai écrit ce titre à mon retour de Paris, justement, où j'étais comme beaucoup d'artistes en mode j'arrête la musique, parce que je ne me retrouvais plus après, à chaque fois arriver en soirée, vers 3h du matin, faire un show, partir. C'était devenu monotone et j'avais perdu un peu le goût de faire de la musique. Et puis après peut-être un mois, à mon retour au pays, j'ai eu cette inspiration-là. Et c'est un compositeur, Lil Chris, qui m'a envoyé l'instru. J'ai tout de suite eu la vibe dessus. Je l'ai écrit, j'ai contacté Charlan, on l'a posé et ça a deux DPI, moi. Un titre que j'ai dû écrire en 30 minutes, okay. Environ. Ok, en parlant de scène de public, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué durant toute ta carrière? Une scène que, jusqu'à aujourd'hui, tu t'en rappelles? Ça doit être ma première fois à l'Atrium, parce que j'ai fait plus jeune un rêve où je chantais sur scène et je me suis rendu compte que quelque part c'était un rêve prémonitoire parce que sur la scène j'ai eu l'impression d'avoir déjà vécu ça et c'était cette scène à l'Atrium. Donc je pense que c'est la scène qui m'a marqué le plus parce que ça a été la confirmation un peu de pour moi que j'étais à ma place. Vraiment la musique ça faisait partie entièrement de ma vie. Ok, la semaine dernière, on parle avec les autres de dire que la musique des jeunes, il y a des jeunes qui produisent entre guillemets de la merde. Que penses-tu aujourd'hui de la musique qui est produite par les jeunes? Ben pour moi, chacun a le droit de s'exprimer. Tu ne peux pas dire à un jeune que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Donc, t'as entendu Charlie? Toi qui dis ça? Donc arrête de chanter, non. Parce que la personne, elle produit des choses, elle a un ressenti qu'elle met. Après, c'est sa motivation, après, peut être mauvaise. Mais si, par exemple, il fait ça dans le but de buzzer, par exemple, je ne vais pas valider, c'est-à-dire dire que c'est bien ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas penser, de ne pas écrire, de ne pas chanter. Ta phrase était hors contexte. Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que nous avons dit... Attends, prends l'appel. Ma tati ne se fâche pas. Véronique, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, tu nous appelles d'où? Tu t'appelles comment? Rivière Pilote. Tu t'appelles comment? Malé.
Malé. M-A-L-E. Malé. Ah, Mali. Mali, on t'écoute. Avec E. Mali. 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 Oui, okay. Voilà. Mali. Mali, on t'écoute. Oui, ben, j'ai voulu appeler pour tirer mon chapeau parce que je trouve ça waouh. Un jeune qui se lève avec déjà ce niveau de conscientisation, je dis tout simplement waouh parce qu'il a bien raison. Beaucoup de jeunes sont mal, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne savent pas pourquoi. Beaucoup de jeunes trouvent qu'ils sont arrivés dans un monde mort, un monde déjà avorté, un monde tout ce que vous voulez, ça les met en mal-être. Et lui, il a préféré, comment je peux dire ça? Je ne dirais pas militer, mais il a préféré être éveillé et puis prendre le taureau par les cornes et puis dire ce qu'il y a à dire. Et surtout, s'engager, quoi. Je ne sais pas. Je ne connais pas le mot exact, mais en tout cas, je lui dis chapeau et de continuer comme ça. Moi, je suis aussi artiste et voilà, très engagé. Et moi, je dis que de nos jours, il faut savoir dire tout haut, tout fort ce que l'on est. Je suis un peu émue, mais franchement, ça m'a touchée. Ce que l'on est et ce à laquelle on croit. Parce que les autres ne se cachent pas pour pouvoir faire le mal, pour pouvoir faire tout ce qu'il y a de dégradant, de tuer, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que lui, il devrait se taire? Alors moi, je te dis qu'il y a un public qui t'attend. De toutes les façons, ce public, il est déjà là depuis longtemps. N'aie pas peur et fonce. Merci beaucoup. Oh, c'est bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, on remercie Mali de son intervention. N'hésitez pas, faites comme Mali, à témoigner votre affection pour Raiden, pour sa musique. Mais Raiden, je vois que les gens accrochent. Raiden, où est-ce qu'on peut retrouver tes sons, tes clips, ton actualité? Alors, sur ma page Facebook, Raiden Officiel, Raiden 972, R-Y-D-E-N 972. Sur Instagram, c'est la même chose, Raiden 972, Snapchat et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le prochain concert? Voilà, sur YouTube, Red Natty Dread Production. Et pour les albums physiques, on peut appeler Zouk TV, ils seront redirigés. Mais ta prochaine presta, c'est quand tu as dit? C'est le 29 mars, c'est à l'occasion de la clôture de la semaine de l'handicap. Ça se passera à l'espace Sonate. Okay. Ça sera avec mon groupe live. Il y aura d'autres artistes tels que Arnold. Yes. Il y aura Mali aussi. Arnold et Mali sont parrains de la manifestation. Et il y aura aussi Jailon et la geste de la Blika Family. Et pour les tickets? C'est gratuit. De quelle heure à quelle heure, en fait? Alors, c'est à partir de 18h30 jusqu'à 22h environ. D'accord. Donc, c'est gratuit, n'hésitez pas. Si vous n'avez rien à faire de votre week-end, en plus, comme on dit, le calme, c'est tout ce qui est plan posé et tout, n'hésitez pas. C'est l'occasion, c'est gratuit à leur famille. Ouais, c'est l'amica, mais bon, c'est même elle, là. Donc, mais Raiden, souvent, je vois, dans tout ce qui est caritative, action pour les jeunes, souvent, il y a Raiden. Mm-hmm. C'est quoi cet engagement-là? On a l'impression que tu as pris un engagement personnel de participer à plusieurs manifestations. C'est une mission de vie pour moi. C'est vraiment... En fait, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses dans ma vie, positives comme négatives, et je me suis rendu compte que tout ce qui est négatif, c'est facile, tu vois. Tu vas vouloir être connu du jour au lendemain, personne ne te connaît, tu vas faire une dinguerie, tu vas te filmer, et tout de suite, tu vas être connu. On va parler de toi en bien ou en mal. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, on parle de toi. Et je me suis dit que pour moi, mon objectif, c'est de fonctionner, de faire ce que j'aime et vraiment en restant moi-même. Parce que autant le négatif, c'est facile, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, la personne va t'énerver, tu vas l'insulter direct. La personne va te faire quelque chose de positif. Limite, tu seras gêné de lui dire merci parce que tu vas te dire, ah ouais, il y a qui pensait comment c'est anti-boulombe, il y a qui pensait que si, il faut me comprendre moi, mais ouais, tu vois. Le positif, c'est toujours plus difficile à faire que le négatif. Alors moi, j'ai pris cet engagement-là. Dès qu'une association m'appelle, je suis disponible et c'est possible pour moi de le faire. Mais en général, je n'ai cet engagement. Ok. Non, parce que bon, je ne sais pas si vous avez vu ça. Enfin, moi, je vois souvent Raiden dans tout ce qui est association, aider les jeunes et tout. C'est très bien en tous les cas. Enfin, de mon côté, c'est très bien pour toi. Donc, en tous les cas, on va passer en deuxième partie d'émission avec Edge Evasion. Raiden, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de te demander, que tu aurais aimé rajouter? Ben non, j'aurais juste ajouté peut-être que si vous avez un objectif,
faites-le pleinement, que ça soit dès que vous êtes dès que pour vous c'est quelque chose de bien, n'ayez pas peur d'aller au bout des choses, parce que souvent, comme j'ai dit, pour être quelqu'un, les gens pensent que être quelqu'un c'est être quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ça n'a rien à voir avec la vraie vie actuelle. Tu ne seras pas quelqu'un dans la vie en étant quelqu'un sur les réseaux sociaux. On va parler de toi quelques temps, mais ça va passer à un moment. Toutes les personnes dont on parlait, qui déchaînaient la chronique avant, actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, pour moi... La preuve en est, comme Cocolo. Par exemple, on le sait malheureusement ce qu'il est devenu. C'est pas très joli à voir. Et ça montre justement que... Il a fait le buzz, c'est-à-dire ouais. En une minute, on a parlé de lui. Mm-hmm. Il a fait des conseils, il est venu en Martinique. C'était... Et c'est quelqu'un que j'ai toujours validé jusqu'à maintenant, parce que même s'il a fait des choses que, on va pas dire que musicalement en parlant, c'était quelqu'un, mais il a touché son objectif, il a été heureux, tu vois. Oui. Actuellement, il est redescendu plus bas peut-être qu'il n'était déjà, mais il a vécu son truc à fond. On peut pas lui en vouloir à ça, lui c'est sûr. D'avoir il a eu justement son moment de gloire, en fait. Eu ces voilà. choses qu'il avait envie ouais. de dire et qu'on lui a donné. On a mis la lumière sur lui un moment. Ces choses qu'il avait envie. On lui a pas dit ces choses-là devant les gens. On a juste mis la lumière sur lui et lui, il s'est amusé. Ouais. Donc voilà. Quel message que tu as à faire passer aux jeunes qui ont envie d'avoir une lumière sur eux, mais une lumière... T'allumes la lumière chez toi ? Une lumière superficielle. Superficielle, parce lumière. Que... Voilà, c'est vrai, effectivement. Voilà. Vas-y, continue. C'est l'agissement négatif et le regard ainsi que les jugements des autres qui font que si quelqu'un se retrouve mal dans sa peau, donc qu'est-ce que... Ben, d'essayer de s'ouvrir au monde, pas au monde virtuel, au vrai monde, rencontrer des gens, sortir, arrêter de rester dans son cocon et puis être dans sa chambre et puis vouloir faire des choses pour exister. Avant, il y avait beaucoup d'associations, beaucoup de jeunes qui prenaient des cours de guitare, prenaient des cours de musique, allaient dans des centres aérés, tout ça. Maintenant, les jeunes, très jeunes, ont déjà des portables. À l'âge de 10 ans, tu vois c'est une gamine sociaux. Qui y a des, voilà, ils se renferment entre eux. Donc, c'est s'ouvrir et puis surtout, si quelque chose te tient à cœur, n'aie pas peur de travailler, de bien développer cette chose avant de pouvoir la montrer au grand public. Parce que quand tu vas arriver et que tu auras déjà ton bagage et ton expérience, les gens vont se dire « Mais tu sors d'où ?» Alors que quand tu arrives avec un niveau moyen, que tu n'as pas travaillé ta chose, mais que tu veux déjà tout de suite être sous le feu des projecteurs, mais tu vas te heurter à des moqueries, à toutes sortes de choses, et au buzz et à la reconnaissance, mais à quel prix ? Ok. Donc, Aïden, comme je l'ai dit à tous mes invités, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur de ta carrière, pour ta carrière ? Du positif. Ok, d'accord. Ben, on fait une petite pause clip et puis on retourne en deuxième partie de l'émission avec Edjé Vazuan. Et n'oubliez pas, il y a des tickets à gagner pour le 29 mars, c'est l'ami Karem. Pour la Vibes. I'm
Mais voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Zaikouni qu'on a reçu, Raiden. Enfin, Raiden est là parmi nous. On a Edgevasion, Chocolat. Oui. Karem, ça rime avec quoi? Ça rime avec quoi pour toi? Pour moi, Karem, ça rime, quoi, avec, Karem? Ça rime avec la peine. Non, je rigole. Je rigole. Moi, Karem, t'as essayé, t'as essayé. C'est, non, je fais pas le Karem. J'ai pas honte de le dire. Je mange pas de poisson, donc je peux carême. Pas... Pendant le Karem, je vais à la mer. Tous les jours, je vais à la mer, je vais au cinéma, je vais au restaurant, voilà quoi, je fais des trucs posés. Ou bien Jessica ou bien Chocolat, je vais... sur Instagram si vous voulez suivre des belles meufs en maille. Charlie, oui. Karem pour toi, c'est quoi? Ça rime avec harem. Vous avez mangé quoi vous? Ça va? Je fais pas de Karem. Non mais tu veux Karem, tu fais quoi comme style de plan? C'est quoi elle pour change toi? Tu vas à la mer? Elle change pas sa vie. Ma vie ne change pas. Elle reste la même. Tu lui dis il y a une soirée ce soir, Isa là. Ça change rien pour elle. Elle sort pas comme ça. Ça fait des années que je sors pas. Pour sortir, pas du elle tout. Elle reste pareil. Ok. Et toi, Raiden, le Karem, tu fais quoi comme style de sortie pendant le Karem? À la base, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je n'en doutais pas. Je ne me restreins pas forcément à. Parce que de base, je ne sors pas beaucoup. Donc pour moi, c'est mes convictions spirituelles que je suis normalement. Non, mais après, quand je dis sortie, pas forcément sortie soirée. Hein. Non, mais c'est ça. Okay. Par exemple, autant je peux aller dans un concert pendant le Karème parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je prends des engagements personnels. Et donc, tu fais pas de beach? Ça m'arrive. Si j'arrive dans une beach, je suis dans la beach. Ok, d'accord. Tu vas pas te lever, te dire aujourd'hui, il y a une beach à Sainte-Anne, je monte. Si j'en ai un, fille. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, hein? Karem, ça rime avec? Ben moi, Karem, ça rime avec chaleur, aller à la mer, à la piscine, tout ce qui est plombant de la mer. Pourquoi votre phrase là? Pourquoi? Tu es censé dire un truc qui rime, non? Non. Non. Donc voilà, ouais, pour moi, le Karem, c'est ça. C'est la plage, il fait chaud, c'est manger glacière. Crabe, c'est voir la glacière, plombant. Bon, quand ça dit crabe, mais non, Karem, ça rime. Ben oui, c'est crabe, poisson. Grillade, plan posé, on oublie les soirées, c'est vraiment tout. Ah ben, comme tu aimes ça, on a ça pour toi. On a Edgevasion. Donc voilà, on a Edgevasion. Tu n'as pas demandé à Kevin. Non, mais c'est lui qui va nous parler de ça. Donc voilà, donc tous ceux qui pendant le cas, ils me partagent même avis que moi, qui cherchent des petites sorties mer, des petites sorties bateau, des petits plans posés. Ou pas, parce que des fois, on pense que c'est posé, mais au milieu de la mer, c'est plus posé. Oh, on va pas aller trop loin. Donc, on a Edgevasion. Edgevasion, bonsoir. Enfin, je vais taper Edgevasion. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Kevin. Kevin. Kevin, voilà. Qui représente l'entreprise Edgevasion. Voilà, exactement. Edgevasion, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent, qui se disent ça? Qui est Edgevasion? C'est qui ça? Alors, Edgevasion, c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer assez rapidement. Je vais faire le tour assez rapidement aussi. Alors, c'est une société qui propose des balades et des excursions en mer. Donc, c'est un bateau à moteur. On va dire bateau qui va assez vite, et du coup on fait tout ce qui est balade sur l'eau, privatisation, anniversaire, on fait aussi les dauphins, on fait la visite des dauphins dans le nord Caraïbes, ils sont plutôt ciblés dans le nord Caraïbes, on fait aussi le sud de la Martinique du côté du rocher du diamant, etc. Donc du coup on ne rentre pas dans les circuits touristiques. Donc, on cherche vraiment à chercher à faire sortir les gens de chez eux, pour leur montrer qu'on a de belles choses à voir en Martinique. C'est ça le but de vraiment Edgevasion, quoi. Si c'est dans cette optique-là qu'on est, quoi. Mais en plus des excursions, il me semble que Edgevasion fait aussi les journées shopping à Sainte-Lucie ou pas? Donc, alors, Edgevasion, bien sûr. Donc, on est aussi sur la partie transfert inter-île. Donc, on fait aussi des départs de la marina de l'Étang Abricot pour pouvoir emmener des clients sur l'île de Sainte-Lucie. Okay. Donc, en général, on ne fait pas trop shopping parce que c'est court. C'est court parce que quand on part le matin et on arrive... Combien de temps pour le trajet? Ça dépend de la mer. Ça dépend de la mer. Je ne vais pas vous dire une heure, machin. Ça dépend de la mer. Bon, on subit les aléas du temps. Okay. Donc, en général, la traversée dure entre 45 minutes et une heure de temps. Okay. En allant à une allure modérée. Et après, on ne fait pas les journées forcément shopping, okay, parce que c'est trop court. Donc, en général, on part le vendredi pour Sainte-Lucie, on retourne le dimanche. Super. Donc ça permet aux clients ou amis ou groupes d'amis de vraiment profiter de l'île, de partir le vendredi, de faire la Friday night, le samedi effectivement aller au shopping. Et le dimanche remonter tranquillement sur la Martinique. Voilà. Mais Frédéric, c'est ça? Kevin, à quel moment tu t'es dit, bon, je vais me lancer dans ce type d'activité-là? C'est quoi? C'est une passion? Tu as grandi dans ça?
Alors, oui, j'ai fait ma passion de mon métier. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'était une passion, le bateau, l'eau, etc. J'avais un bateau. Ça se voit, tu es bronzé même ta bouche. Je me suis dit, eh ben oui, je sors du boulot, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, eh ben écoute, puisque tu as des gens qui t'entourent, tu as des gens qui sont intéressés, qui te demandent, ouais, mais tu fais ci, tu fais ça. Parce qu'on fait aussi des catamarans à l'époque. Quand il y avait des événements à Sainte-Lucie, on louait des catamarans. Et du coup, tour des yoles aussi. Donc, du coup, je me suis dit, ben bon, je vais me diriger, mais vraiment dans cette voie. Et après, je me suis formé, puisque je suis allé à l'école de pêche de Trinité. Et puis, ça a donné ça. Ben, j'ai créé la société, avant tout. Chose qui n'a pas été facile, l'acquisition du bateau. Et puis, voilà, je suis en place depuis 4 ans. Mais c'est quel permis qu'il faut pour travailler comme toi ? Il y a pas, c'est pas des permis, ce sont des brevets. Ah, ok. Des brevets. Il faut aller à l'école de pêche et au fur et à mesure, tu fait l'acquisition de tes... Donc c'est un permis côtier ou bien c'est plus non, grand ça va plus loin que le permis côtier. Donc tu as le matelot-pont, le capitaine 200. Après, ça peut aller plus loin, 750, okay. Ça va. Ah, du chinois ouais, non, c'est pas du chinois, mais c'est des formations. Non, enfin, c'est des formations qu'il faut avoir, qui sont requises pour pouvoir faire ce genre de choses. Okay, ça t'a pris combien de temps ? De l'idée du projet jusqu'à la réalisation du projet ? Alors, j'avais jusqu'au déjà... Jusqu'au premier client. Exact. C'est pas pareil. Alors, j'avais déjà cette idée-là en tête depuis un moment, puisque, comme je disais, on est arrivé dans des périodes fastes comme le Tour des Yoles. Donc, du coup, je me disais, ben, tu prends des clients à droite et à gauche, mais pourquoi pas faire tes clients, puisque automatiquement, ça te crée un portefeuille, des exact. Amis, des gens, tout ça. Et tu te dis, bon, tu vas travailler pour toi, à ce moment-là, tu vas essayer de créer. Donc, ça m'a pris, en gros, 5-6 ans. Quand même. 5-6 ans, facile. Et comment on fait pour ne pas perdre la motivation ? Parce que souvent, des jeunes ont envie de se lancer dans des projets. Et que, par exemple, tu vois, quand on t'écoute, tu vois, on se dit 5-6 ans, la personne se dit « Waouh, 5-6 ans à attendre ». Bon, ça vaut le coup, mais comment on fait pour garder la patience, ne pas tenir, craquer, ne pas abandonner ? Parce que, sincèrement, il faut avoir envie. Si tu n'as pas envie, si tu ne crois pas en ton projet, ce n'est pas la peine. C'est clair et net. De par l'idée, déjà, et après, très sincèrement, pour pouvoir arriver au projet final, il y a plusieurs étapes, de par déjà les diplômes. Après, tout ce qui est acquisition, c'est très difficile. On est en Martinique, je ne vais pas vous mentir, les banques, ça ne suit pas. Donc, du coup, il faut chercher, il faut, voilà, de mon côté, bon... Défoncer les portes. Ouais, non, pas défoncer, mais il faut chercher. Il faut chercher, il y a des aides. Il y a des aides, il faut se renseigner, se rapprocher. Et puis, vraiment taper aux bonnes portes. Puisque après, tu as tout ce qui est formation pour savoir si vraiment tu es apte à gérer une société. Parce que tu sais, ça fait un dossier correct auprès du banquier pour te faire confiance, pour te passer les sous, pour pouvoir faire l'acquisition. Donc c'est vraiment, vraiment un travail de longue haleine. Et je peux vous dire qu'il faut être patient et en même temps arriver aussi à taper du poing pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Ça a été facile avec la bonne période touristique qu'on a eue, tous les paquebots. Comment tu as fait ? Est-ce que tu parles anglais ? Comment tu as fait pour pouvoir démarcher auprès des touristes et faire venir sous ton bateau ? C'est un travail, ça aussi. Alors, je peux te dire que, franchement, j'avais un niveau anglais qui était vraiment collège, hein, tu sais. Mais à force de fréquenter, t'es obligé de t'y mettre. Okay. Tu es obligé de t'y mettre, donc tu vas te renseigner, tu vas sur Google, tu apprends, le soir chez toi, tu vas sur l'Internet, tu prends des cours particuliers, et là, franchement, tu commences à avoir du dialogue anglais pour pouvoir échanger avec les Anglais. Anglais, Canadien, Américain, parce qu'on en a beaucoup, hein, tu sais, maintenant, on est ouvert un petit peu sur la Caraïbe, et même sur les États-Unis par rapport à Norvégienne, exactement. Donc, du coup, tu es obligé de te mettre en anglais. Après, comment ça se passe pour vraiment chercher les clients ? Ben, on met des gens en place, on a des gens qui travaillent avec nous. Je dis nous parce qu'on a un petit noyau qu'on a monté et on a des commerciaux qui font un bon boulot franchement d'aller chercher le client et de nous les ramener et qui fait qu'on a une activité qui tourne et qui fait qu'on peut vraiment s'en sortir. Ouais. La petite équipe, ce sont des gens de ton entreprise, mais vous avez créé un collectif ? On n'a pas créé un collectif, mais c'est simple. On s'est dit qu'on est à plusieurs sur la côte Caraïbe, sur le même secteur. On ne va pas se tirer dans les pattes. Ça ne sert strictement à rien. On s'est posé, on s'est dit, bon, ça arrive qu'un matin, on ait 60 clients. Mon bateau, il ne prend pas 60 clients.
Donc il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes capacités que moi, qui ont leur société comme moi. Ben on fait appel à eux, c'est pas compliqué. Mais partagez, on travaille c'est bien. Ensemble et voilà. Comme ce matin on a fait les dauphins, ben on était à 13 bateaux sur le à observer c'est les dauphins. C'est plus convivial. Et c'est plus convivial. Quand même. Oui, 13 bateaux. Donc du coup, ben on travaille ensemble comme ça et puis ça fait une force de frappe quand on arrive, on essaie de défendre certains points aussi parce qu'on est très sous la partie écologique, etc. Puisqu'on essaie de protéger aussi les mammifères, puisque bon, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui viennent observer mais qui savent pas comment observer. Ouais. Donc du coup, nous, on essaie de voilà de. Est-ce que tu as suivi une formation pour ça aussi? Ben oui, il y a une formation qui est en cours là et qu'on est amené à tous passer. C'est une formation justement qui nous apprend comment les mammifères évoluent, les distances de sécurité et bien sûr le timing, puisqu'il y a un temps à respecter pour laisser l'animal dans son milieu naturel, dis-moi. Donc c'est assez complexe. C'est pas je prends mon bateau, voilà, je prends du monde, voilà, j'emmène. C'est pas, il y a pas que ça. Comment ça se passe là pour le carême? Parce qu'il a dit un truc qui est vrai, comme c'est le carême, il y a beaucoup de personnes qui sont très branchées sur les beaches. Est-ce que quand c'est le carême, comme quand c'est les yoles bientôt, je suppose que ton planning de... Parce que Edge Evasion, je précise, hein, Edge Evasion fait aussi les étapes des yoles. Donc, il laisse à ses coordonnées s'il a toujours de la place sur son bateau. Comment ça se passe? Alors moi, très sincèrement, je vais inviter mais vraiment le Martiniquais à découvrir chez lui. Parce que je me rends compte que... Toutes les personnes qui sont amenées à venir voir les dauphins, je prends la simple balade qu'on fait pour aller voir les dauphins, on n'a que des touristes, quoi. Que des blancs, que des gens qui sortent d'ailleurs, qui veulent venir voir les dauphins. Alors que moi, j'aurais aimé, franchement, que le Martiniquais s'intéresse et qu'il vienne voir ce qui se passe chez eux. C'est vrai, en plus que tu dis. Parce qu'on est dans la période du carême, justement, il n'y a pas grand-chose à faire et tout. Eh ben, ce serait intéressant qu'ils se rapprochent de nous, qu'ils cherchent à voir les dauphins. Voilà, cette période-là, en plus, elle est propice. Pourquoi? Parce qu'on a des baleines maintenant. Les enfants sont admis. Mais les enfants sont admis, bien sûr. À partir de 2 ans, il n'y a pas de souci. Donc, franchement, j'invite le Martiniquais à venir voir chez lui, à venir voir ce qui nous entoure, ce qu'on a dans nos eaux. Et vraiment, la période du carême est propice à ça. En fait, ce qui se passe, enfin, je pense, de mon point de vue, je pense que d'autres personnes aussi doivent partager ça, mais on a l'impression que louer un bateau, faire une sortie bateau, ça coûte extrêmement cher. Donc, je pense direct à... Oui. Donc, direct, donc c'est quoi? Est-ce qu'il y a une tranche de prix? Est-ce que tu peux nous donner une tranche de prix? Alors, la sortie phare, franchement, où on bosse là-dessus, je vais revenir encore là-dessus, c'est les dauphins. Ben pour les adultes, c'est du 55 € et pour les enfants, c'est du 35 €. Ça va. Tout en sachant qu'on fait une recherche, on va au large, des fois, chercher les dauphins. On voit de beaux sites. Et dans cette sortie, c'est une demi-journée. On ne vous emmène pas seulement voir les dauphins. On retourne, on fait toute la côte Caraïbe, de Carbet, Casse-Pilote, tout ça. On arrive au niveau de Bellefontaine. Vous pouvez aussi découvrir... une grotte aux chauves-souris. Après, vous arrivez sur un site qui est accessible que par bateau. Il y a une baignade. Et bien sûr, sur le bateau, il y a tout ce qui est apéro, jus, etc. Ok, d'accord. Alcool, etc. Ok, mais on va prendre un appel. Donc, Charlie. Oui, bonsoir. On vous écoute. Caillou, qui là, Zéchronique. Zéchronique, Caillou, ouais, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui. Voilà, j'appelle parce que ce monsieur qui parle à la télé n'a pas encore donné son numéro de téléphone. Hein. Oui, ça arrive, il va tomber. Elle est motivée, t'as raison. C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est pour Saint-Lucie, le vendredi, samedi, dimanche. Ah. Voilà, donc il ne l'a pas encore donné. Donc j'attends son numéro afin de savoir qu'est-ce qu'il nous propose et le prix. Donc alors, pour Saint-Lucie, le vendredi, samedi, dimanche, j'ai une offre qui est à 185 € par personne, hébergement et transport compris. Donc, 185 €, vous avez le transfert, c'est-à-dire que on descend en bateau. Bien sûr, tout ce qui est taxe porteur et tout est inclus. Et les 85 €, on va dire que c'est pour le logement. Et vous êtes dans un complexe, c'est un petit immeuble avec de grands appartements climatisés. C'est quand même, c'est correct, c'est du confort, quoi. numéro. Ah. Alors moi, le numéro personnel, c'est le 0696 28 26 23. Voilà. 28 26 23. Voilà. Le premier, c'est monsieur comment? Kevin Wister.
Voilà. Voilà. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Je vais essayer de vous contacter. Il n'y a pas de problème. Parlez à vous et continuez. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne trouve pas que ce soit excessif le prix pour adultes, pour enfants, parce que dans une année, on s'allait en soirée, enfin, on peut profiter en famille avec les enfants. Tu comprends, tu vas pas te dire. Non, mais peut-être pas excessif. Attention, c'est peut-être pas excessif, mais tu sais, des fois, comme tu vois Batou, tu prends peut-être même pas la peine de demander le prix, tu vois. Là, il a dit peut-être le prix, là, tu vois, tu te dis, ah ouais, ok, mais peut-être tu aurais pas demandé parce que tu t'aurais dit directement, j'ai pas les moyens de me payer la sortie Batou. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais. Bon, je ne suis pas une professionnelle des bateaux, mais on ne s'en rend pas compte, mais l'essence d'un bateau n'est pas l'essence d'une voiture, oui, déjà, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc, j'estime que si... Le carburant. Le carburant, tu as compris. Donc, j'estime que 55 euros, vu le kiff que tu prends sur le bateau, vu le kiff que tu... Pour tes yeux, parce qu'avec un bateau, tu peux découvrir des plages, déjà, que tu ne peux pas avoir accès en voiture. Il y en a plein comme ça, en plus, en Martinique. Je trouve que ça vaut le coup. Ok. Vous avez Conique, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je m'appelle Christelle et j'appelle de Fort-de-France. Christelle, on t'écoute, Christelle. Donc déjà, je voulais vous féliciter à toute l'équipe et merci. Puis vous encourager à merci. Continuer comme ça. Merci. Merci, Christelle. Je suis Jessica Chocolat. Gros bisous. Bisous. Et puis, je trouve que l'émission de cet après-midi est vraiment superbe, surtout le monsieur qui est venu présenter son projet. Et effectivement, les Antillais ne s'intéressent pas assez aux activités touristiques. C'est pas parce que ça a le nom de touristique que ce n'est que pour les touristes. Le tourisme, les touristes. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis intéressée et j'espère y aller faire un tour très bientôt. Okay. Il paraît que tu vas payer pour tous les chroniqueurs sur la table. Exactement. Eh bien, on a chance. Ok, mais Christelle, on te remercie de ton appel. Eh bien, Christelle, mais attends, ne raccroche pas, Christelle. Tu n'auras pas son numéro. Je veux pas son numéro de téléphone. C'est mon ancienne voisine à Villepinte. Tu vois, on reconnaît les gens de France. Christelle, est-ce que tu vas aller danser? Oui, il y aura la Vibes. Est-ce que tu veux une invitation pour deux pour aller wainer ton corps à la Vibes? Oui, ça m'intéresse. D'accord, ben laisse tes coordonnées, mais on fait semblant, laisse tes coordonnées. Tu vas récupérer ton ticket, ok. Gros bisous. Ok, au revoir, bisous. Bisous. Donc, Ben voilà, on était avec Edgevasion. Ah, moi j'ai une question pour Edge. Vas-y. Dis-moi c'est, tout. Je pense que c'est sûrement ton rêve. Hein. Peut-être que je me trompe. Est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, tu te vois aller plus loin dans tes diplômes pour avoir ton yacht? Très sincèrement, ce n'est pas dans mes projets. Oh, ça pollue, ça va dans mes projets parce que, très sincèrement, je préfère rester à mon activité. Elle est beaucoup plus pérenne parce qu'avoir un yacht et tout, je trouve que c'est vraiment excessif. C'est oui, excessif. Peut-être que tu es allé plus loin. Et puis, mais faire quoi avec parce que regarde, yacht, pourquoi, yacht, pourquoi en Martinique, il n'y a que les excursions à Sainte-Cuissy? Pourquoi il n'y a pas à côté, tu sais, Saint-Vincent? Pourquoi il y a un bateau comme le tien ne va pas, par exemple, à la Barbade ou à Saint-Martin ou en Guadeloupe? Disons, est-ce que Guadeloupe, vous ne le faites pas? Alors, il faut savoir que nous, on a une certaine réglementation. Le bateau est habilité pour faire des activités qui sont uniquement autour de l'île. Après, de la Guadeloupe? Non, mais après, ça, tu passes dans des eaux internationales avant d'aller en Guadeloupe. Okay. Donc derrière, si tu veux aller aux Grenadines, Guadeloupe, etc., il y a des structures qui peuvent le faire. Tu loues un catamaran, un truc de ce genre. Okay. Et après, tu vas, tu fais la Caraïbe, tranquille. Okay. Mais nous, on a une activité qui tourne autour de l'île. Donc du coup, on est obligé de se... Enfin, pas obligé, mais on a déjà assez de boulot comme ça, entre guillemets. Donc pour le moment, ça ne t'intéresse pas d'aller plus loin? Non, ça ne m'intéresse pas pour le moment. D'accord. Très sincèrement, après, si tu veux vraiment voyager, après, on peut toujours s'arranger, trouver des compromis, trouver un yacht ou bien... Très sincèrement, le catamaran, c'est l'idéal, pas le yacht. Mais pour quelqu'un qui a le mal de mer, tu conseilles un catamaran ou un bateau comme le tien? Soyez honnête. Un bateau comme le mien. Pourquoi? Parce que justement, tu es au grand air, tu peux respirer, le bateau il va plus vite. Un catamaran, ça subit plus les effets de la houle, c'est plus lent. Et voilà, tu arrives à avoir le mal de mer assez rapidement. Tu subis la mer. Oui, tu subis, puisque le bateau est au ralenti, et voilà, et tu vas prendre vraiment le houli, etc. Et tu
voilà, tu attrapes le bal de mer plus facilement. Et te reste-t-il de la place pour les yoles? Comme ça, tu vas profiter pour laisser tes coordonnées, parce que si la dame est déjà très impatiente. Alors, pour les yoles, je vais être très clair et très... Alors, pour les yoles, j'ai longtemps travaillé avec les clients. Beaucoup avec les clients. Mais le problème qui se pose, c'est que, tu sais, on a le Martiniquais, entre guillemets, tu cours après lui. Ok. Tu cours après lui. Et bon, il faut savoir que les yoles, ça ne tombe pas du ciel. Il faut une organisation. Exact. L'organisation, c'est sur la semaine. Et quand tu dis au client que, bon, voilà, il te faut les sous parce qu'il faut que tu t'organises avec le traiteur, parce que moi, je fais une journée complète. Donc, tu as la bouffe, tu as les boissons. Ouais. Même t'as oublié, tu as le petit déjeuner, puisque j'ai testé. Tu as le petit déjeuner, tu as les boissons, tu as le plat. Tu travailles avec un traiteur, donc il faut valider, il faut que tu saches le nombre de personnes, etc. Et quand tu expliques ça aux gens pour eux, mais non, on va payer après, mais non. Et du coup, maintenant, entre guillemets, j'essaie de travailler avec des CE. Comme ça, c'est réglé. Ah, ok. Vous voyez, donc les gens, vous allez me pénaliser. Après, il y a des fois des jours qui sont ouverts au public. Okay. C'est pas tout le tour des yoles que le CE prend, par exemple. Vas-y. Okay, on prend le dernier appel parce que l'émission touche presque à sa fin. Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes ou un coup? Comment ça se passe? Pour les excursions? Oui, pour les excursions. Voilà. Ah voilà, comment ça se déroule? Est-ce qu'il faut un nombre de personnes? Alors, je préfère dire aux gens de m'appeler carrément. Parce voilà. Que nous, on est sur un format où on peut te faire une journée sous mesure. C'est-à-dire que si tu as un groupe d'amis... qui veut faire une sortie, une privatisation, je préfère dire aux gens de m'appeler carrément. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne rentre pas dans des circuits touristiques. Donc ça peut être des choses qui sont vraiment à la demande. Ouais. Puisqu'on est un bateau moteur, donc on n'est pas un catamaran, on peut faire plusieurs plages dans une journée. Et tout ça, après, ça a un coût, c'est sûr. Mm. Mais on peut faire des choses très évolutives. Quoi. Ok, mais tu vas laisser tes coordonnées. Donc, voilà. Ok. Ben, j'espère qu'il a pu répondre à votre question. Donc, en tout cas, Edjeba Zoro, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton numéro de téléphone, c'est un site internet? Facebook, alors, la page Facebook, c'est Edjevasion, tout simplement. L'Instagram, c'est Edjevasion aussi. Et bien sûr, ben, numéro de téléphone, 0696 28 26 23. Tout 28 simplement. 26 23, et bien sûr, le site internet aussi, il est monté. Vous pouvez réserver directement en ligne. Le site internet, c'est Edgevasion. Oui, bien sûr. Edgevasion.fr. Voilà. Donc, en tous les cas, Raiden qui est avec nous. Raiden, ta prochaine prestation, tu nous aides le 29 mars. C'est ça, le 29 mars à l'espace Sonate. Okay, c'est gratuit. À l'étang Abricot. Vous pouvez y aller. C'est un concert live. C'est un concert live et vous pouvez suivre Raiden sur tous les réseaux sociaux, sa page, que j'oublie, Raiden 972. RYDEN 972. Donc voilà, ben les gars, on vous remercie de votre présence. Un dernier mot quand même pour Edgevasion. Il n'a même pas dit, qu'est-ce qu'il veut. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on souhaite à Edgevasion, à part nous voir sur son bateau ce week-end. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas. Sinon, ça va. Vous pouvez retrouver quand même Edgevasion ce dimanche à la CA Sun. Je pense que tu seras dans la beach de brunch qu'aura. Non, je suis sur un brunch, effectivement. Je suis sur un brunch et tout. Je couvre toute la partie qui est navette et logistique. Et ouais, je serai sur le secteur des Trois Îlets. On sera sur le secteur des Trois Îlets. Il y a un petit brunch sympa avec DJ Dan, etc. Mais il reste des places, c'est 50 euros. Voilà, exactement. De 11h à 18h. Donc, c'est super bien. Vous allez partir d'un point. On vous dépose à un autre point. Il y aura DJ Dan. Il y aura des repas à volonté, ouais, tout ça. Volonté, n'oubliez pas vos sacs poubelles. Hein. Voilà. Donc, oui, vous pouvez appeler MJ au 06 96 40 90 01. 40 90 01. Il reste toujours des places. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas et comme je vous dis, ben, l'émission touche à sa fin, on a passé une bonne petite émission, je vous remercie les gars, super sympa, on vous souhaite longue vie à vos projets chacun. Et qu'est-ce que je peux dire? Alors chocolat, le mot de la fin. Le mot de la fin, eh ben, j'ai hâte d'aller sur le bateau d'Edgevasion. Mais attends, c'est le carré truc. Parce qu'on attend. Charlie est là. Là, c'est qu'on me propose. Au concert le 29
Mars. Oui, après lire à la vibes. Pas du tout. Je n'ai pas de boss. Et je souhaite que ton entreprise soit pérenne. Oui, exactement. Oui, du coup, c'est très sincèrement, c'est pas. C'est de pérenniser la société. C'est facile de créer. Et que plus d'Antillais viennent te voir aussi. Il faut pérenniser les choses. Il faut vraiment pérenniser. Je souhaite vraiment que les Antillais s'intéressent vraiment à ce qui se passe chez eux. Ouais. C'est vraiment dommage qu'on ait vraiment... Les gens disent, ouais, mais c'est sur un bateau. Ouais. Est-ce qu'on va voir les dauphins? Ouais, mais je sais pas si je veux payer. Mais non, mais venez voir et franchement, vous allez voir qu'il y a des choses à voir. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ben voilà, ben je vous souhaite une bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. On va avec vous... Avec moi ? Edith Banks, l'invité. Ah, voilà, tout à fait. Et une autre personne, non ? C'est tout. Edith Banks. Voilà. Et ben, on aura une seule invitée, donc au deuxième part, on pourra reprendre nos fameux débats qui cartonnent à chaque fois. Au contraire, si vous voulez un débat précis, envoyez-nous la question par message sur Zaïkonique. Votre thème, thématique voilà. Charlie qui est là, qui est débat de base. Bon, j'ai qui est débat tellement pénible. Donc voilà, ben on vous souhaite une bonne semaine, précaution, amusez-vous de façon... Et bon courage pour les grévistes, pour ceux qui subissent la grève du moment. Attends, voilà. J'ai un autre truc à dire, parce que là, c'est période de beach, là. J'ai envie de vous dire, je fais des randonnées sur les plages et je vois à quel point c'est dégueulasse. Alors, vos sacs poubelles, ramassez tout ça qu'à traîner. Le challenge, le nouveau challenge, faites le challenge qui consiste à faire une photo d'un lieu sale et après une photo du lieu que vous avez nettoyé. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, on vous dit bonne soirée. À mercredi prochain. Ciao.